Il y a à peu près 3 semaines, mon frère Michel, il dit, oh donc, moi si je parlais français, je ferais des activations, je ferais toutes mes vidéos en français. Mais peut-être pas toutes, mais il dit, je ferais assez de vidéos en français pour m'amuser. Pas pour rire du monde, mais juste pour me faire du fun. J'ai dit, oh. Moi, j'y ai pensé souvent. Puis je réalise qu'en anglais, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Je suis tannée de me répéter. J'ai pas le goût de dire les mêmes affaires. Ça fait pas longtemps que je suis sur YouTube. Ça fait juste depuis le mois de janvier. Ça fait quand même beaucoup de vidéos que je fais. Je suis tannée de me répéter. Ça sert à rien. Je plante les graines. Je sais arroser beaucoup en anglais. Là, je vais commencer à les arroser en français. Pourquoi pas? Faut être bien dans qu'est-ce qu'on fait, non? De toute façon, je bouge bien en anglais. J'en ai plus de mots. En tout cas, pas aujourd'hui. Les choses se passent trop vite maintenant. Excusez, pas trop vite. Merveilleusement vite. C'était merveilleux. Sans même pas de bon sens. C'est comme... I can't even make this shit up. Je peux pas l'inventer. Il y a du monde qui s'assise, ils regardent l'ordinateur, regardent des films. Et ils pensent que tout va arriver tout seul, qu'ils vont s'endormir, puis le lendemain matin, tout va être parfait, tout va être différent. Je leur souhaite. Oh oui, je leur souhaite. Je sais que j'ai travaillé fort pour me rendre ici. Ça fait 6 mois jour pour jour que j'ai recommencé complètement ma vie. Puis c'est pas la première fois dans ce corps que j'ai commencé ma vie. Et depuis le 19 juin 2019, et on est le 19 décembre 2019, ça fait 6 mois jour pour jour. Puis est-ce que j'en ai fait du chemin? Littéralement, j'ai fait du chemin. Au-dessus de 10 000 km sur mon auto. Et dans autre chose aussi. J'ai vendu, j'ai donné. J'ai tout recommencé. C'est pas la dernière fois non plus. Ceci n'est pas ma vraie vie. Mais c'est la vie que j'ai choisie. C'est la vie que j'ai manifestée. L'abondance, ça coule tellement. Il n'y a pas de mots. Quand l'abondance, ça coule. Quand ça fait toute une vie, qu'elle ne coule pas. La Cendrillon que j'étais, qui était maltraitée ou pas toujours super bien traitée, et qui pardonnait, et qui aimait pareil. Est devenue une libellule de Cendrillon. C'est différent maintenant. Je suis complètement en service à moi-même. Mais en étant en service à moi-même, je suis en service pour les autres, en tout temps. Tout le temps. Il y a des jours cette semaine que je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai fini avec ça. Pourquoi je dois être gentille tout le temps? Et juste tout le temps être seule. Ouh, mon ventre. Et puis je suis pas seule. Mais des fois, je suis comme un bébé Lala. On doit crier à l'univers une fois de temps en temps, ça doit. Hein? L'équilibre que j'ai, je le souhaiterai à tout le monde. Je l'envoierai partout, avec mes libellules. Partout, partout.
dans tous les coins du monde. Les coins du monde. J'envoierai mon énergie. Oh, attends. Je l'envoierai pas. Je l'envoie. Je l'envoie direct. Je suis en plein partage de mon énergie. En tout temps. Je souhaite une bonne nuit. Je remercie les yeux qui sont là pour moi. Je vous reconnais.